En quoi consiste le projet dans son ensemble? C'est la construction et la modernisation. De quoi? Donc nous avons deux bâtiments que nous allons réhabiliter. Il y a d'autres que nous allons construire. Du côté de l'école primaire pour réhabiliter? Oui, en fait, nous avons deux bâtiments à réhabiliter, deux autres à construire. Très bien. Ça fait combien de classes? Donc pour l'ensemble, c'est 45 salles de classe. Nous sommes au niveau de l'école primaire. 17. Donc l'école primaire, c'est 17 salles de classe. 17 salles. 17 salles. L'école secondaire, c'est 28 salles. Donc, c'est qu'il faut plus un bâtiment atelier. Plus un bâtiment administratif. Atelier. Non, il y a deux bâtiments administratifs. Ok. Plus atelier. Bien ça. Et vous avez commencé quand? Nous avons commencé au mois d'août. Donc, fin août 2021. Et vous planifiez jusqu'à... Bon, normalement, nous devons aller au mois de septembre. Au mois de septembre, octobre. Nous sommes au mois de juin. Vous pensez dans deux mois, trois mois. Moi, je suis ingénieur. Nous avons des contre-maîtres aussi. C'est ça. Ouais. Est-ce que l'approvisionnement en chantier des matériaux est régulier? Ah, c'est ce qui fait défaut vraiment. Nous avons passé deux mois. On ne peut pas trouver même ça de cement ici. Et comme il y a beaucoup de chantiers maintenant, les prix ont même triplé. Donc il n'y a pas de ciment. Je suis informé qu'il y ait du ciment à Mouenedito à Genève. Non, ça c'est un bon message. C'est un bon message. Oui, oui. Parce que moi, parce qu'il y a la dynamique des constructions. Oui, d'abord, c'est quand nous avons marqué le travail, nous avons imposé d'acheter dans notre groupe. Ah, ouais. Et là, il vous raconte toujours des histoires. Il faut. Nous sommes dans la zone où tout est construit. D'accord, mais ça c'est pas le sujet. Le niveau que l'on peut construire, nous sommes dans la zone où tout est construit. Nous sommes dans la zone où tout est construit. Là-bas, c'est bien. L'hospitalisation, en commençant par ça. Si c'est l'hospitalisation, c'est un drainage très intensif. Quand on les reçoit là-bas, on l'amène. On peut l'hospitaliser. Le bloc opératoire, hospitalisation chirurgie, femme. Nous avons amené les femmes, les hommes au fond là-bas, parce que nous pensons que les blocs sanitaires que nous construisons là peuvent servir et les hommes d'ici et les hommes d'ici. Les bureaux prennent à évaluer les projets. Mais sincèrement aussi, l'aspect d'étanchéité avait entre guillemets été omise. Et nous sommes en train de travailler sur ça maintenant. Vous
avez pris des formations, vous avez appris sur place. Sur place. Sur place. Oui. Est-ce que vous aimez votre métier? Oui. Je m'en ai. Je m'en ai de la mouille. Je me suis en stage, je forme ma maman, je suis tout le monde, je suis tout le calbeton, je suis tout le repissage, tout le monde, tout le taloché. Je suis tout le monde, 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 Maman Denise, surtout elle n'est pas celle de De contrôle, nous sommes en train de suivre les travaux ici. Les travaux ont sensiblement évolué, comme vous l'avez constaté vous-même. Vous l'avez constaté, oui. Et l'entreprise, pour ce qui est des grosses œuvres, oui. C'est-à-dire que de la fondation à la toiture, nous sommes déjà à 95% pratiquement. Et nous avons entamé les secondes œuvres, le crépissage, les plafonds, carrelage, ainsi de suite. Et c'est en train d'être fait. Je pense que l'entreprise ne pourra pas sûrement respecter les délais par rapport à certaines difficultés que nous avons déjà évoquées. C'est la grande question du moment. Dans des réunions. Mais au moins, oui. Nous avons l'assurance que si on ajoute un petit délai à l'entreprise, l'entreprise peut terminer le travail et tout sera bien fait. Nous sommes à de la Mouya, à l'hôpital Mouya. Ah, c'est lui qui me parle, c'est qui? L'ingénieur Dieudonné. Je représente le bureau CREST, qui est le bureau de contrôle. Qui assure la mission de contrôle des travaux qui s'effectuent ici. Jean-Baptiste de Gancé. Vous avez commencé quand les travaux? On avait commencé le 27 août 2021. En août 2021, vous avez raison. Et vous avez planifié de manière normale à... À terminer à 27 août 2021. Donc dans deux mois. Chantier de 12 mois. Vu la réalité. Oui. C'était pas le record. Vous avez un petit peu chargé. Chargé le projet.
Thank you.